Yon l'autre fois, go, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Mediana là, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager ou intéressé ou, pas oublier abonner avec Mombad Mediana et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie de l'équipe notification Mombad Mediana là. Mais nous pas perdre du temps, n'a pas commencé. Cool, yeah. Pour nous traiter, pour nous rendre l'île potable. Et. Fomwe di nou ke nan lokalite la Grange ke nou ye la 5e seksyon komunal Bokozel ki fè pati de Sema nou vini jodi ki se 16 septembre 2020 pou nou tout au mwen fè miz an servis de sistèm sa ke nou konnen ki te mete an plas nan lansman karavan chanjman men ki te gen de problèm ki pa te pèmèt ke moun yo jwenn bon dlo potab. Men apre intervensyon ke nou fè surtout nan peryòd ki liye a koronavirus la kote ke moun yo bezwen dlo nou te wè nesesite pou nou te fè intervensyon dijan sa. D'abord si pano solè ou ek sou do kay la, se chanje yon bon parti la dan yo. Nou gen 12 batri gel de 12 vol de 225 mAh ke nou chanje kompletman. E pi nou gen membran yo. Membran nan se li pèmèt ou fè premye tritman, sa yo le pre-tritman. Eh bien, membrane sa yo nous oblige changer yo complètement. Mais faut nous dit nous te promet pour nous te vinn mettre service là, en fait mettre système là en service 2 septembre. Mais c'est jodi qui c'est 16 septembre là nous arrivé faire. Ça veut dire que 14 jours après. Seule explication que m'ka ba nous, membrane sa son membrane nous t'est obligé à faire commande à l'étranger pour le venir ici. Ça veut dire que ni Dinepa ni l'autre entreprise en Haïti pas fait membrane ça. C'est membrane que obligé acheter à l'étranger. Et des fois son entreprise que engagé selon procédé bailleur n'a pas salué Banque Interaméricaine de Développement qui te mette $16,000 à la disposition, nous, $16,000 américains pour nous te réhabiliter. Ça veut dire que, des fois, nous obligés de prendre temps parce que nous devons respecter la procédure bailleur, mais tout des fois, matériel n'est pas disponible sous place ministre. Eh bien, nous connaissons qui gros effort administration Moïse Jout l'a fait. Eh bien, mais celle ça m'a demandé. C'est soit administration Moïse Jout la travail ça a fait mais de l'eau pas gain chapelle politique que on en opposition que pour gouvernement ou bien pour président Jovenel Moïse m'a dit que dit n'est pas son institution de service public lié ça veut dire que n'a bail tout monde l'eau et une obligation ça. Directeur Gélin Sot dit à l'ENT font une réunion avec le comité A. Côté que l'y informé, il dit que ce n'est pas dîner pas choisi le comité A. Si vous n'êtes pas là dans la mise en place du comité A, n'a pas informé pour nous dire comme ça que c'est la communauté qui est là qui dit un tel, un tel, un tel, un tel, nous qu'à faire confiance pour gérer le système là pendant 3 ans. Qui donc, ou même m'a dit un bagaille, là pas gain de l'eau, si ce n'est pas ou même, parce que peut-être ou gon ti kop pour aller acheter de l'eau traitée dehors, pour venir boire bon de l'eau, mais gon moun nan voisinage ou. Li gen doit son cousin ou, li gen doit son cousine ou, li gen doit se une famille quand même qui besoin ça
pour joindre de l'eau traitée pour le boire. Ça veut dire que nous avons obligation chaque monde pour nous veiller installation ça. Tout récemment, nous fait mise en service d'un système, ça va gagner 2 mois, juste mis au balai, mise en service, ça pas comme même fait, même yote quand on volait panneau solaire, yo, yo quand on volait lumière, yo, même fil qui passe en bataille, yo, yo volait, yo. Qui ça m'a dit, bailleur, qui ça m'a dit, coopération espagnole, pour me dire, mon système qui coûtait plus que 1 million de dollars, mes côtés, captage la maroutière, mais au volo toute installation. Yo. Qui ça, ça veut dire aux yeux de nous-mêmes? C'est ça qui fait que m'a dit nous, 2 bagailles. D'abord, c'est tout le monde qui peut veiller l'installation. Je vais le goûter dans le mois qui vient pour nous mettre un petit groupe électrogène en backup. M'a dit, je vais mettre ça dans l'agenda. Parce que des fois, pour une raison ou bien pour une autre ministre, l'installation solaire là, elle doit pas fonctionnelle, ou bien nous t'arrêtons que les soirs, nous jouons de l'eau, pour une raison ou bien pour une autre, et bien c'est capable de groupe électrogène. L'autre bagaille, m'a dit nous, c'est veiller dans la bonne gestion du système là. Pour le gérer, nous pas payer pour de l'eau, mais nous payer pour service là. Si on tire réparation pour faire, si on chlore, ça ou les chlorox là, mais nous même c'est HTH lié parce que il y a une forte concentration de chlore là-dedans, c'est lui même pour nous traiter. C'est de l'eau, ça a l'air fin passer dans la membrane, dans le pré-traitement, pour nous traiter, pour nous capable faire nous joindre bon de l'eau potable. Eh bien, c'est graisse cochon pour cuit cochon. C'est dans ce sens ça, m'a demandé nous. Baille contribution, quel que soit ça, il met son goutte, il met ses 2 gouttes, il met ses 5 gouttes. Par contre, qui prie que le comité après le mettre en place? Mais on sait le bagaille. Directeur Gélé, au niveau de l'administration repassante, il y a une obligation pour connaître comment le système a géré. Il y a des petites visites pour nous faire, il y a des petites réunions pour nous faire avec même monde qui a choisi le comité. Donc, m'a demandé nous aider nous dans sens ça. Et comme on est pendant 2 fois l'aime de venir là, c'est ministre Jacques Thomas qui te permet de venir là, presque sûr que le besoin place son mot. T'aller à là, mettez dans oreille moi faut que nous fassions gens pour système pour son de réhabilité. Moi même avec Gélin avec monsieur Jocelyn, nous font petit chita entre nous pour nous comment avec UNICEF, comment avec coopération espagnole nous sommes capables de joindre un cob pour nous capables de réhabiliter le système pour sonder parce que yo di nou c'est plus que 15 000 personnes qui bénéficient de système qui existait qui pas fonctionnel et nous pral goumen. Mais quand fini là nous pral capoto parce que dans cadre financement UNICEF avec gouvernement canadien eh bien gon gros système qui fonctionnel. Il y a 10 kiosques que nous construisons là-dedans. Il y a plus que 11 km tuyaux, tout diamètre confondu, nous passer en bataille. Eh bien, nous allons regarder comment la fonctionner parce que nous avons mis en service tout récemment là. Nous sommes vraiment contents le fait que, je vous dis, le système de traitement de l'eau, la grange, réparation en fait là-dedans, gros comité de gestion qui l'a. Qui pour gérer le système là et n'a pas des comités n'a pas continuellement de dîner pas continuer accompagner comité gestion ça et pour permettre que yo fait bon règlement avec population pour que population ka continuer ba yo mandat pour capable continuer gérer toujours faut dire tout que mon Lagrange nous gain l'autre dossier nous commence à analyser pour nous. N'a regardé là nous sommes font petit compte maltaille pour regarder dans quatre programme système solaire pompage solaire yo mais la grange mérite le tout donc n'a fait
n'a pas continué à faire plaidoyer, c'est peut-être ça. Nous et les équipes nous caravane parce que n'a pas marché tout côté nous problème yo pour nous porter yo by et exécutif là et en même temps pour aider yo chercher solution. C'est un premier pas qui fait avec système ça que monsieur réhabilité. Même quoi au niveau de ODVA, nous avons pile bagaille pour nous faire, pour nous continuer à faire au niveau de la grange. Et nous passons dans la route là. Et gros problème route là, il est venu surtout à partir de problèmes rehaussement beige canal là qui va en pile problème. Parce que de l'eau a tellement en pile dans le beige canal là, il est déversé sur la route là, qui fait la route là presque écrasée. Mais si de l'eau a pas déversé sur la route là, ça veut dire que c'est deux problèmes en même temps pour nous résoudre. Faut que nous résoudre d'abord rehaussement beige canal là, parce que si nous venons faire le rehaussement parfait, certainement, non, période pluvieuse, a toujours gain de l'eau qui vient dans la zone ça. De l'eau ça capable toujours tomber, déverser sur route là, et laisser la route là continuer par les problèmes. C'est-à-dire, route là, donc c'est un gros problème lié pour la grange, parce qu'il y a un pile de l'eau sous lui, il y a des côtés qui ont pile là pour tout, il y a des côtés en pile machine pas passer. Et nous connaissons route dans la vallée la Tibonite, c'est des sols très argileux, c'est des sols qui collent. Les que machine yo a passé dans route ça yo on est en pile problème. Il y a un pile monde qui pour aller à l'hôpital et il y a un pile monde qui résoudre problème activité économique yo. Ça veut dire non pas arrêter la grange seulement, on a continué sortir là. Il y a disposition qui n'a prend pour nous garder côté plus difficile yo. Même les non pas comment tout route là, mais surtout côté plus difficile yo pour nous commencer faire un kichoy. Pour nous capables, par exemple, ma passe est allée à là, moi j'ai un camion qui est censé couler, et même en panne même. Dans ce sens, ODVA déjà pris disposition, on va parler avec l'équipe là, pour nous commencer, là, il y a quelques camions remblés, côté plus difficile, qui permettent à mon yo capable de vaquer librement à l'occupation. Je vous remercie chaque monde, et de façon ou l'autre, qui te mette main ensemble avec. Staff gouvernement pour te bailler solution jodi a qui permettent que joie ça a couler dans cœur et à système bloc sanitaire ça qui était en panne depuis quelques années. Donc m'a dit à directeur ODVA, même si un jeune garçon qui bravé me des dangers et me gain mémoire, quel que soit ça on monde pour mettre là, moi capte le dans mémoire et m'a poursuivre jusqu'à ce qu'on réalise. Moi entendez ministre l'a dit, il y a possibilité pour la grange retrouver une pompe solaire. Moi, parle que le ministre a coûté, même j'aime te kembel pour le système de loi. Moi, parle que le directeur ODVA coûte pour le travail, pour mettre tout fait là. Parce que je rencontre avec eux presque chaque jour. Moi, pour mettre mon la grange ça, moi, bravé me dérangeais pour me faire ça. Et moi, remercie BID International, Banque Interaméricaine de Développement, qui te baille moyen. Pour résoudre problème ça. M'a remercier premièrement la présidence, son excellence Jovenel Moïse, qui a accepté recevoir l'aide nous sur le système de loi le 23 juillet 2019 et jeudi à qui portait solution. M'a remercier encore ministre agriculture hier qui nous en rencontre avec les non délégation de 20 moun. Donc, nous avons des bagages qui vont retourner venir nous en tant que planteurs. Donc, la bataille n'est pas facile. Je ne vais pas nous longue. La bataille n'est pas facile. Mais aider et puis moi-même, je vais monsieur au coup, je vais mener au vin là, même Jean-Jacques Thomas Fell, je vais toujours venir pour nous mener au vin là, pour nous fistrer, pour faire tout ça pour mettre nous là. La population placée dans le président de la Grange là, moi-même, je vais tête moins pour mettre la Grange service. Et je crois que le service de la Grange là, c'est la grange capo SF Simbalia, s'il veut continuer à vivre, continuer à vivre, s'il veut. We'll be right back.
salue la présence de mon collègue, le ministre de la Justice et de la Sécurité publique. Monsieur l'ambassadeur, je suis heureux de vous accueillir ici dans le cadre de la cérémonie de signature du protocole d'entente entre le ministère de la Planification et de la Coopération externe, le ministère de la Justice et de la Sécurité publique et le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement du Canada relatif au projet d'appui à une police professionnelle inclusive en Haïti. L'exercice de ce matin est d'une importance capitale. Il s'agit d'une initiative inscrite dans le partenariat et des relations stratégiques qui lient la République du Canada et Haïti, dont l'engagement de longue date envers notre pays le positionne en tant qu'un des principaux partenaires bilatéraux. Je souligne également que la République d'Haïti est l'un des plus grands bénéficiaires de l'appui canadien dans les Amériques. Monsieur l'ambassadeur, le président de la République s'est maintes fois exprimé avec force sur la nécessité d'une nouvelle manière de coopérer. Au-delà des discours, c'est par cet acte que les partenaires techniques et financiers peuvent nous convaincre et que nos priorités sont réellement prises en compte. Cette cérémonie d'aujourd'hui est un signal positif et un pas dans ce sens. Ainsi, c'est avec beaucoup de plaisir et certainement avec un sentiment de satisfaction que je m'apprête à signer en présence du ministre de la Justice et de la Sécurité publique ce protocole d'entente d'un montant avoisinant les 12 350 000 dollars canadiens, dont l'objectif est de renforcer les capacités institutionnelles et opérationnelles de la police nationale d'Haïti, la PNH. La police ne symbolise pas seulement la force, mais également la justice, puisqu'elle est le plus souvent appelée à juger avant les juges. On comprend donc que les policières et policiers doivent être perçus et doivent être des femmes et des hommes de haute conscience. C'est dans cet esprit que le premier volet vise à veiller à l'intégrité du corps et lutter contre toutes les formes de corruption qui sévissent en son sein. Pour avoir une police professionnelle, il faut passer par le relèvement de l'institution et le relèvement entraîne la confiance de la population. Mesdames, Messieurs, le pays a consenti beaucoup de sacrifices pour la République, dispose d'une police à la hauteur de ses besoins. Depuis le processus d'entrée, la formation jusqu'à la carrière de ses candidats de policiers, c'est dans le but de préserver les acquis que le second volet du projet s'investira dans une meilleure valorisation des ressources humaines et matérielles de la PNH. Le projet entend ainsi contribuer à une gestion optimale des ressources humaines, conditions sine qua non pour disposer d'un corps de police motivé et professionnel. Les ressources du projet interviendront également dans la dimension logistique afin de faire le meilleur usage des équipements à travers un plan de gestion approprié. Un montant d'un million de dollars canadiens destiné au financement d'activités complémentaires à impact rapide est également prévu dans la seconde phase du projet. Le dernier volet, et pas le moindre, veillera à la promotion des femmes au sein de la PNH en sensibilisant le personnel aux avantages qui en découlent et en mettant en place les mécanismes susceptibles d'identifier et de combattre les facteurs freinant l'émergence des femmes. Mesdames, Messieurs, ce protocole d'entente est conforme à la politique globale initiée par le président de la République, qui entend mener toutes les actions de proximité
de prévention et de protection dans le cadre du renforcement des institutions et la lutte contre la délinquance et le banditisme. Monsieur l'ambassadeur, ce protocole d'entente traduit le fait que le Canada mesure pleinement la nécessité d'endiguer la gravité de la situation dans laquelle se trouve le pays et de répondre rapidement aux besoins de sécurité de la population. Au nom du président de la République, son Excellence Jovenel Moïse, et au nom du gouvernement de la République, je vous remercie. Vive la coopération canadienne, vive la coopération entre les deux pays. Permettez-moi, avant tout, au nom de l'ensemble des Canadiens, de faire part de notre solidarité et notre amitié au peuple haïtien qui fait face, une fois de plus, à un niveau élevé de violence et un climat d'insécurité. Les pertes en vie humaine, y compris des femmes et des enfants, causées par des affrontements entre des groupes armés et d'actes délibérés de violence sont intolérables. Puis, le meurtre récent du bâtonnier de Port-au-Prince, Maître Montfarrier d'Orval, a été un coup particulièrement dur contre les efforts des défenseurs d'un meilleur état de droit ici en Haïti. En ces circonstances tragiques, qui se multiplient, mes pensées vont aux victimes ainsi à leurs familles et leurs proches. La construction d'un stable, un pays plus stable, démocratique et prospère ici en Haïti est la priorité pour le Canada dans sa relation avec le gouvernement d'Haïti et le peuple haïtien. Je souhaite saisir cette occasion pour réitérer l'engagement du Canada à travailler avec le peuple, le gouvernement et la police nationale d'Haïti pour faire une police professionnelle au service de l'état de droit, de la sécurité des citoyens et du respect des droits humains. La signature aujourd'hui d'un protocole d'entente concrétise la volonté continue du Canada d'appuyer le gouvernement haïtien dans sa démarche de professionnalisation de la PNH et la lutte contre l'insécurité. La police nationale d'Haïti, qui a fêté ses 25 ans d'existence en juin de cette année, est une institution jeune, mais qui a bénéficié depuis sa naissance de l'appui constant et multiforme des Nations Unies, de la coopération bilatérale et internationale. Depuis le retrait des milliers de policiers et militaires déployés dans des cadres des missions diverses des Nations Unies de maintien de la paix, depuis octobre 2019, des missions dont le Canada a toujours été un fier participant, le PNH a assumé seul la responsabilité régalienne en matière de la sécurité et protection des citoyens. Depuis bientôt un an, le PNH a montré, malgré des défis de taille, sa capacité de gérer seul de nombreux aspects sécuritaires, notamment au niveau opérationnel et de renseignement. Mais la police nationale d'Haïti n'est pas une institution parfaite, aucune institution humaine n'est une institution parfaite, et elle fait face à un important nombre de défis internes comme externes. Alors, la PNH doit continuer à bénéficier de l'appui du gouvernement d'Haïti, de ses partenaires de longue date et d'autres pour pouvoir répondre aux défis majeurs qui traversent l'institution et le pays, notamment sa croissance démographique, ses échéances électorales, la crise sanitaire, et bien sûr, l'influence grandissante des gangs armés. Pour ce faire, le Canada croit qu'il est important de continuer à soutenir la police nationale d'Haïti dans trois domaines prioritaires. Dans un premier temps, soutenir le plan de développement stratégique de la police nationale d'Haïti 2017-2021, particulièrement pour ce qui concerne les objectifs de formation et recrutement des policiers et particulièrement policières, pour atteindre 25 000 agents formés pour sécuriser tout le territoire national. Deuxièmement,
continuer le plaidoyer pour augmenter le budget de la police nationale afin de payer ses salaires et ses bénéfices, ainsi de lui permettre de procéder à des investissements, notamment pour rénover et construire des nouvelles infrastructures de police, acheter des matériels roulants et des équipements de protection. Et troisièmement, renforcer la capacité de l'inspection générale de la police, y compris sa décentralisation à travers le pays pour monitorer et poursuivre les auteurs d'actes d'indiscipline, de corruption et encore d'abus et de violations des droits humains. Dans cette optique, je suis fier de vous parler aujourd'hui de ce nouveau projet intitulé « Appui à une police professionnelle et inclusive » d'une valeur de plus de 12 millions de dollars canadiens, conçu de façon participative entre la Corporation canadienne et les PNH et qui s'inscrit dans le plan stratégique de développement de la PNH 2017-2021. La précieuse collaboration du ministère de la planification et de la coopération externe, ainsi que le ministère de la Justice et de la Sécurité publique, est également incontournable et nous saluons ces partenariats solides. Le protocole d'entente que nous signons ce matin jette ainsi les bases de coopération qui faciliteront la mise en œuvre de ce projet. Je suis particulièrement fier du travail parcouru jusqu'ici, ayant permis d'identifier trois axes d'intervention prioritaire pour ce projet. Premièrement, un appui important à l'inspection générale de la PNH est prévu pour améliorer la lutte contre la corruption et améliorer la confiance de la population dans sa force policière. Deuxièmement, le projet misera sur la modernisation de la gestion des ressources humaines et l'entretien des biens de la PNH. Avoir une équipe motivée et professionnelle et des équipements en bon état sont des éléments importants pour le fonctionnement optimal de l'organisation. Finalement, le troisième volet veillera au renforcement du pouvoir des femmes au sein de la PNH et s'attaquera aux inégalités qui freinent leur accès à des promotions et des postes de responsabilité. Il renforcera la capacité institutionnelle de la PNH à se doter d'une politique de promotion de l'égalité des genres, y compris la lutte contre la violence basée sur le genre et le harcèlement sexuel. Ce projet, d'une durée de 5 ans, et dont les activités devraient débuter au printemps 2021, s'inscrit dans une longue histoire d'appui que le Canada a apporté à la PNH depuis sa création. Dans la dernière décennie, la plus récente de ces appuis fut la mise sur pied de l'Académie nationale de police pour la formation et le perfectionnement des inspecteurs et commissionnaires. Si indéniables progrès ont été accomplis au titre du renforcement des capacités opérationnelles de la PNH au cours des dernières 25 ans, beaucoup de défis restent encore à surmonter. Avec un système de justice qui donne des résultats pour le peuple haïtien, la PNH est l'un des facteurs importants de la sécurité et de la stabilité dans le pays. Dans ces temps difficiles où l'institution est sous pression et fait l'objet de toute sollicitation, il convient de poursuivre les efforts en vue de la professionnalisation et de faire preuve de détermination et pragmatisme pour améliorer le PNH. Les enjeux auxquels fait face aujourd'hui l'institution sont de taille. Plus que jamais, une action coordonnée et soutenue de la part des partenaires nationaux et internationaux est requise. Le Canada est fier d'être à vos côtés et salue l'engagement dont vous faites preuve en cette occasion officielle
qui marque un jalon important vers la réalisation du projet appui à une police professionnelle et inclusive. Le ministère de la Justice et de la Sécurité publique, par mon humble organe, tient à remercier l'ambassadeur du Canada pour tout l'appui apporté à la direction générale de la police nationale d'Haïti et relativement à ce protocole d'entente que nous allons signer ensemble. Le ministère de la Justice et de la Sécurité publique entend poursuivre, entend mettre en œuvre tout ce qui vient d'être dit et tout ce que nous aurons à faire pour pérenniser la collaboration qui existe entre le Canada et Haïti. Mais je dis, la mort d'Oval montre que personne n'a pas épanoui. Ou tu es chauffeur moto, ou tu vivre en bas de soleil, ou vivre pèlerin, qui est-ce que tu as épanoui? Personne n'a pas épanoui. Eh bien, c'est ça que fait. Je vous dis, nous dit à bas impunité. Si il y a des gens qui te prennent plaisir, ou bien pas d'accord, lever campé, les gens chauffeurs moto, ils ont tiré mal. Les gens, il y a des gens qui sont les petits Marie, petits Joseph qui mourit, et que ou pas trouvé que le une nécessité pour te lever campé, parce qu'on te pensé que la caroua, ou bien gros muc monté, ou bien chien, ou bien sécurité, ou bien machine blindée. Eh bien, je dis à un moment montrer que ça n'a pas qu'à épanier. Parce que les criminels lui ont trouvé tellement confortable, pas de porte pas ouvrir, pas de porte pas frappé. C'est ça que fait. Nous dit, la mouta avec allié lui a dit, il est temps pour nous couper fâchés avec impunité et injustice sociale. L'autre bagaille, nous dit clair. Dans la loi 2003 qui parlait sous question, qui réglait question assurance véhicule contre tir. Nous dit, li là depuis 2003, je dis, nous en 2020. Le groupe de monde qui t'a pensé de Koulia, laisse ça, bien peut-être sous question moto, en motocyclette, peut-être les salte vendre, peut-être 15 000 ou 20 000 gouttes. Je dis, c'est 100 000 gourdes pour vivre sur un moto côté. Pourtant, dans la même loi, ça, je dis, si je prends la rue avec moto, je fais un accident de circulation, l'écraser, dans le goût, les montées de son AVCT, je vais arriver à 15 000 gourdes pour vivre ici. Pourtant, moto qui dans la même langue, qui t'en coûte plus que 100 000 gourdes. Si je prends exemple ça seulement, qui t'en montre que loi, ça, les n'a pas parlé de lui pour lui demander pour le viser. Ou est-ce que nous avons raison pour le réviser? C'est ça que fait. Nous avons profité de micro guinéen pour nous dire qu'il faut que les médias aident nous dans la question. Il faut que nous allions dans l'OAVCT pour nous dire, comme nous, ouais, M. Plamota a parlé de la loi 2003 qui règle les questions assurance véhicule contre tiers, qui s'allie et comment le régler. Parce que si la presse aide nous, avec, parce que en pile fois, presse là seulement basé sur plus politique. Il a oublié question sociale lui en pile fois. Pourtant sociale lui en pile fois. Il est plus important que politique. C'est ça que fait. Non, dans l'émission yo, ou gagne l'impression chaque fois ou vers radio, ou tendez un seul groupe de monde. Pourtant groupe paquet l'autre monde qui dans organisation sociale yo, qui a parlé un paquet de bagarre qui était caractère société là, yo pas parler de yo. Yo seulement parler de questions politiques. Et ça fait nous dit faut que média yo aller dans OAVCT pour dire de qui ça la moto a parlé dans question et loi 2003. We'll be right back.
Excusez-moi pour le respect. Pour tous les médias, veuillez bien vouloir vous excuser, Téléguinée, PHTK que vous êtes. Qu'on hypocrisie au niveau de ce système. Qu'on hypocrisie, nous trois traites.
On doit traiter. Je dis à mettre mourir, c'est une carte touillée d'Orval, le bâtonnier. Et vous avez saisi le bâton qui symbolise la justice. Téléguiné, excusez-moi, sinon je pars. Non, l'homme pour 100 dollars là-bas, il dit non, non, alors, courageux. Je suis né le 6, lui le 10. J'aime Gémeaux. Gémeaux un jour, Gémeaux pour toujours. Grâce à Dorval, moi, mon moyen. L'homme de la vie, c'est un voleur. L'homme dit Dorval, c'est un voleur. Il dit non, je l'ai dénoncé. Avec brio, dénoncé ça, l'homme. Je n'ai pas peur, c'est une cartouille Dorval. Ou même tout dimanche. Vous n'avez pas honte? Un crime crapuleux. Oh Dieu! Qui monde qui est épargné ici? Nous t'avons tout là-bas la ville. Je pourrais comprendre qu'il s'agit d'un assassinat généralisé. Il y a Pèlerin 5. Hein? Faut mal sous le lieu du crime. Ça passe, Pèlerin 5. Non, c'est l'Allemagne. Bon, c'est le président. Qu'est-ce que c'est là? Le président Jovenel, lui, dans ce siècle-là. Tout le monde est là. Ok. Et... Est-ce que nous pensons effectivement au chercheur de justice? Non, la justice divine. La justice nationale, pas qu'il y ait justice avec le système corrompu ça. Et Martine Moïse, tôt ou tard. Tôt ou tard. Bon, bon, raison, dimanche. Martine va le candidat au Sénat avec Stanley Lucas pour Nord-Ouest. Donc, voilà, dit, mon serveur à l'élection, il faut qu'il y ait une nouvelle constitution. Mais écoute, non, je tue pour conviction. C'est moi qui t'ai lagué vol sur avant. Hein? Écoute, nous connaissons entièrement ta frère de manière stricte. Ou pas faire partie des femmes. Ou faire partie des femmes. Non, mais je suis journaliste. Donc, sous l'âme, gala tout. Ah, ok. J'ai de très bonnes relations avec la famille. Donc, Margaret, Patrick, que Margaret, personnellement, dimanche. Bon, ou l'âme, bagala. Donc, vous parlez des voilà. Testaments ou bien. Oui, mon papier, non, même que la parole est toujours écrit. Mais est-ce que vous pouvez mettre là-dessus? Je ne peux pas pourquoi bailler. Il faut que marie mon. Il faut que mon pote tête soit là avant. Et pour aller, il y a un peu de temps. Oui, cité. Martine Moïse. Mm-hmm. Avant là, ils font sacrifice, ils manquent mon. Qui côté? Le Nord-Ouest. Je suis originaire du Nord-Ouest. Hein. C'est moi, Martine, qui demande point avant le monde. Jean-Valéan veut dire que première dame n'a rien. Oh! Martine Moïse. J'assume. Bon, nous tous, Dorval, nous tous, tout. J'assume. Et je prends mon courage avec deux bras au péril de ma vie. Le système, ça trop corrompu. Ensemble de justice sociale et opportunité pour tout le monde, Jean Fondateur Nation a indiqué là. 20 septembre 2020, a fait Fondateur Nation, empéré Jacques Dessalines, 262 l'année, depuis le pilé Tessa, l'irraché dans la main, prédateur esclavagiste, pour le quitter pour nous comme héritage. Pour une raison, tout haïtien qui compte tête, yo doit connaître. Nous avons célébré deux gros anniversaires dans un gros bouleverse. Bouleverse qui fait nation semblait tête coupée à la colonie Saint-Domingue dans l'année 1791, 1802, 1803. En vendant cette yo, t'établi contrat vivant ensemble dans bois caïman. En vendant colon français te kidnappé tout Saint-Louverti. En vendant cette yo, t'es livré dernier gros bataille
pour casser chaîne l'esclavage définitivement, établir premier nation noire libre dans le nouveau monde qui déclarait égalité pour tout le monde comme fondal Natali. Bouleverse ça yo mené en pile souffrance. Yo la cause nous continue à compter cadavres sans arrêter. Mais si tout yo sorti dans décision yon groupe moun prend depuis 1806 pour jeter projet société vivre ensemble nan pour tabli yon l'autre forme esclavage dans place li. En dan bouleverse ça yo tant qu'on en période nous sorti té yo plusieurs factions a réclamé changement système. Changement constitution, yon l'autre pays. Pourtant, même Jean ak période sa yo. Pendant que faction kap cherche route ak toute force yo, gen en pile l'autre tout kap fait diversion, créer confusion pour kembe situation Jean lié a. En même temps, yon ap akize l'autre. Nan moment côté nation fin effondré, nan occasion anniversaire sa yo. Patrie Mion, l'autre fois encore, a connu l'ambigu rassemblement pour déclarer, premièrement, les gens pour nous décider by empereur à toute l'autre victime nationale et justice. Deuxièmement, les gens pour nous camper sous toute division nous gagner pour nous chita établir un vrai contrat vivre ensemble. Troisièmement, les gens pour nous mettre priorité sous entente nous pour nous décider qui pays nous voulons et comment nous faisons. Quatrièmement, les gens pour toute faction dans la société, quelle que soit la raison pour nous faire avec l'autre, pour faire tourner matière, pour construire l'autre société. Cinquièmement, les gens pour la nation haïtienne réconcilier à tête. Li. C'est réconciliation ça pour nous chercher dans un nouveau moment de loi. Qui prend racine ni dans premier moment loi PIA. Ça veut dire Constitution 1805. C'est nécessité de réconciliation ça qui fait patrie continuer à insister pour demander responsable déclarer 20 septembre comme journée réconciliation et unité nationale. C'est l'esprit réconciliation ça qui a aidé à intégrer toute petite nation, quel que soit côté à vivre sur la planète, là, dans tout ça qui concerne l'existence. Ak avenir nation. C'est l'esprit de réconciliation ak unité ça a tout kap menen nan vivre ensemble nan justice sociale ak opportunité pour tout moun. Laisse ça na fier pour nous témoigner nous bay fondateur nation ak toute victime yo justice. Vive Haïti, première puissance vivre ensemble nan justice sociale ak opportunité pour tout moun. 20 septembre 2020 a bay patrim 2 ans depuis le lancé. 20 septembre 2018 à 20 septembre 2020, ça fait 2 ans. 20 septembre 1758, 20 septembre 2020, ça fait 262 l'année depuis l'empereur de prend licence. Patrim, tu as décidé de faire lancement 20 septembre, c'est dans la logique, dans l'optique, pour t'inscrire dans la lignée pour restaurer. Mémoire Jean-Jacques Dessalines. Restaurer mémoire Jean-Jacques Dessalines traduit pour patrie politique que Jean-Jacques Dessalines a mené, tant sur le plan économique, tant sur le plan social, sur le plan international, etc. Patrie inscrit dans la même dynamique, dans la même lignée à tout. Normalement, bataille pour restauration mémoire Jean-Jacques Dessalines, non? Il était commencé mené par une fondation qui est la Fondation Félicité, que Mme Baïna Bello a dirigé. Ça fait environ 21 ans depuis la bataille de restauration, ça a fait de manière institutionnelle. Patrim vient inscrire dans la même dynamique, ça, c'est juste pour être capable de renforcer la bataille. Ça. Mais tout, il y a un élément qui est plus fondamental pour nous. Nous sommes capables de dire l'assassinat de Jean-Jacques Dessalines, non, c'est le premier crime politique qui fait. Sous bout de ça. Et première forme impunité tout, l'État ça, on est. De 1806 à aujourd'hui, nous sommes capables d'énumérer quantité de monde qui tombait pour position politique, quantité de monde qui tombait pour position sociale, quantité de monde qui tombait qui pas jamais joué une justice. Sorti dans Jean-Jacques Dessalines pour nous arriver dans Montferrier d'Orval, nous sommes capables
dit normalement nation ça l'hypoté en pile cadavre sous bras. Patrim lancé conférence de presse ça c'est dans optique pour le recadrer bataille la mener sous échiquier politique là pour rendre. Jeudi à nous avons gagné une conférence et sous l'idéal de Jacques Dessalines, c'est de la validité actuelle de l'idéal Dessalinien. Donc c'était pour déjà éclairer Mounio sur ça, l'idéal Dessalinien déjà, parce que rapidement nous avons parlé de ça, il n'y a pas de connaître. Et puis sous l'actualité idéale Dessalinien, nous avons un moment crucial, un moment fondamental dans la vie nous en tant que peuple, en tant que citoyen, en tant que nation, pour nous comprendre qui ça qui était base, fondation pays ça, sous qui ça l'était chita et pour qui ça jodi a nous devenir indépendant. Donc l'idéal de sa ligne, il va permettre que jodi a pour nous dégager issue. Par exemple, société a traversé des moments extrêmement compliqués, côté que des fois c'est retour à l'histoire, retour, recours aussi au passé et à une série de et démarches ou bien de attitudes que en fait nous avons gagné qui fait que nous sommes capables de bailler et en nation, je dis. Idéal ça, nous n'avons pas de perdre, donc c'est des idéaux d'union, de fraternité, de vivre ensemble. Et donc c'est tout ça qui était partagé dans l'idéal des Salignans que je dis à professeur et que nous avons gagné le matin là. Nous avons partagé avec jeunes. Et je devine partager avec quatre dans la direction nationale là, je devine partager avec des normaliens qui étaient là tout. Donc c'est une façon pour nous être ouvert champ, ouvert perspective pour nous connaître que côté nous y a, nous qu'a sorti. Nous besoin en véritable réconciliation nationale. Nous besoin faire appel à l'union. Nous besoin faire appel à la liberté aussi dans nos engagements, dans nos décisions, dans et nos réflexions dans nos points de vue pour nous avancer. Nous avons exactement au mois de la commémoration de la mort de Dessalines, 17 octobre, mais là, on a commémoré tout et anniversaire et naissance de Dessalines. Ça veut dire que quelque part, nous vraiment, nous double moment, côté que l'idée important pour nous, soit tant 17 octobre pour nous faire, ou bien faire le 17 septembre. Nous devons faire le 15 septembre, mais par rapport à des situations un petit peu étendues, et dans Port-au-Prince, nous sommes obligés de renvoyer pour aujourd'hui. Et c'est ensuite, et c'est pas seulement sur Dessalines, c'est que l'Europe garde pour l'Europe DNL associé à une série de conférences qui a fait notamment sur la Constitution, sur la réforme constitutionnelle, etc. Donc DNL voulait engager non seulement dans la question littérature, vendre et livres, faire des animations autour de livres, mais aussi encourager Mounio tout réfléchir sur des bagailles qui sont extrêmement fondamentales pour la cité, pour la société. C'est la réconciliation nationale. Moi, c'est véritable ça nous besoin, je dis, l'union, la fraternité et la réconciliation nationale pour toute couche. Tout est au-delà même de son gain comme idéologie, au-delà même de son gain comme, passion. Parce que nous toutes, que l'on est dans l'opposition, que l'on est dans le pouvoir, nous passion au pays ça, parce que c'est ça qui fait nous là. Parce que nous t'a quitté, même en pile, nous a quitté. Donc cette passion-là, elle doit accompagner de une démarche qui c'est la réconciliation nationale de nous tous haïtiens. Alors, intervention de Tichita sur relation ensemble d'haïtiens, doit gagner entre eux au regard de l'idéal de Saline. À partir de différentes lectures que nous faisons sous acte, proclamation et action de Saline déposée de 1804 à 1806, nous arrivons à constater que le régime de Saline était organisé autour de sept grands principes. Le principe de l'unité de l'espèce humaine, le principe de l'unité de la nation, le principe de la non-discrimination, il y a le principe du fondement méritocratique de l'avancement de la société et également le principe de libre individualité, sans oublier celui de la disparité économique, socio-économique. Nous n'avons qu'à fou, je dis à côté que acteurs politiques, sans oublier les différents autres acteurs de la vie nationale, lieu de mettre tête ensemble pour voir comment on va retirer le pays à la situation difficile que l'on connaît. D'une part, bon, au niveau stratégique, ces décideurs et grands acteurs ont supposé gagner d'abord
des référentiels clairs que on définit. Ensuite, un cadre programmatique et un cadre informationnel, un ensemble de d'autres cadres, un cadre institutionnel, cadre budgétaire, etc., pour mettre ensemble autour d'un projet. Un projet de réforme de l'État, de réforme de toute la société en général. Parce que nous avons une situation côté que petite nation a connu des moments très difficiles, côté grand pile est obligé à Chili, à Brésil, etc. Et qu'on paquet n'a qui décide de rester ou bien qui dans l'incapacité de partir et qui a vécu dans des situations vraiment difficiles. Là, nous connaissons par exemple un ensemble de monde, de jeunes qui en quête de travail, qui sont dans des difficultés pour rejoindre le travail, qui sont même dans des difficultés pour même accéder à l'école et à l'université. Et qu'on paquet qui là, côté que y a même des bandits terrorisés, donc c'est une situation vraiment alarmante qui demande toute nation pour que vous mettez même pour comment sortir de la situation. Donc, entrer dans la perspective de revivifier ce passé historique qui sont véritables creusets qui permettent de reconstruire Haïti, pour moi, c'est une nécessité. Voilà, et merci avec tout le monde qui était branché pour te capter des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier vous abonner avec chaîne là et toujours songer pour activer petit cloche là. Les nous lagons vidéo pour capable joindre nous, son pas besoin chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.